Salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Galita Resurrection, j'ai eu un petit bug. Et donc, alors, qu'est-ce que nous avons fait la dernière fois? Nous avons sauvé Lindo qui peut maintenant être notre partenaire. Et on a débloqué les missions de niveau de difficulté 11, ce qui est pas trop mal, d'ailleurs on peut accepter cette mission. On a Lindo, Alyssa, Soma, ça me paraît pas mal. Ouais, en plus c'est du stuff qui va être bien dans cette mission, donc on peut laisser ça comme ça. Juste, alors les compétences personnelles, est-ce que... Oh, il y a tous les personnages alternatifs. Donc voilà, ça c'est ceux dont les personnages dont je vous parlais à l'épisode précédent. On voit par exemple Alyssa Alt 2, donc version alternative 2, où en fait elle est habillée en bleu. On a l'ogre masqué qui a toutes les capacités objets rares pour tous, dieu à des butins rares et partage des richesses. Ce qui est bien, mais depuis qu'on a débloqué en fait, depuis qu'on a fini le scénario, l'arc de Lindo, eh bien, tous nos personnages peuvent avoir ces capacités. Et après, bon, du coup, on a des versions alternatives pour chaque personnage. Oh, d'ailleurs, Canon est mignonne dans cette couleur là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a Shio en version alternative, on a Ren en version alternative aussi, on a Alyssa en version jaune et tous les personnages qu'on connaît aussi. Par contre, eux ils sont pas en version alternative, bon, on s'en fiche un petit peu. Du coup, voilà notre équipe. J'ai amélioré légèrement mon stuff, hein. Je crois que j'ai que amélioré l'Arion et le Hamlet, qui sont beaucoup plus beaux. Enfin, l'Hamlet en tout cas est très beau. Le Arion n'a pas changé. J'ai rajouté des petits plus à un petit peu toutes mes armes. Niveau défense, je suis très très bon. Je suis à presque 1400 avec ce stuff là. C'est du stuff divin qu'il nous faut pour affronter un éther. Après, dans les autres, j'ai rien changé. À part le rempart du chaos que j'ai amélioré. Mais bon, esthétiquement, il n'y a rien de changé. Inventaire. On a tout au max, on va pouvoir y aller. Sinon, je n'ai rien d'autre, rien de spécial à dire. À part ceci, on va aller tuer un éther. Ouais, j'ai pas d'autres améliorations, puisque c'est vrai que ça commence à prendre du temps. Certains items que je n'arrive pas à avoir. C'est trop compliqué à avoir. Pourtant, ils ont pas un pourcentage faible d'obtention, donc je comprends pas trop, mais c'est très étrange, je trouve ça très étrange. Bon, allez, on va recte ça. Wow. Et donc, du coup, dans mon farmage d'objets pour améliorer mes items. Donc il y a certains comme la ramure d'éclair, enfin le stuff un petit peu de gros bros. C'est un petit peu compliqué, j'arrive pas trop à voir ça. Par contre, on a ce heal. Oh, heureusement qu'il y en a un qui m'a heal, qui est sûrement Alyssa d'ailleurs, puisque c'est celle à pouvoir me heal. Oh, mais what? Non, mais... toutes les balles sont tirées sur moi, ça je déteste. Je n'aime pas le focus. Je vais baisser un petit peu mon son. Hop. Allez, les cellules d'oracle, jambière d'art d'Anova sont détruites. Je crois que l'autre jour, je sais plus si c'était... enfin l'autre jour. Plus tôt dans la journée, exactement. Un art d'Anova, j'avais réussi à le vaincre en 5 minutes. Il restait 35 minutes pile. C'était pas mal. Bon, par contre, 40 minutes, s'il y en a qui arrivent pas à faire ce genre de mission en 40 minutes, c'est chaud. Je le dis tout de suite. Moi, 10 minutes, c'est un petit peu le grand max que je peux faire. Casse-toi. Oh. Non, mais... le mec, t'es tout près de moi. C'est de la triche. Eh oui. Hop. Attention. On va leur mettre ça. Voilà, 480, c'est bien ce que je voulais. Hein. Énormément de dégâts. On va se re-heal.
Mais bon, après j'avais de la chance, puisque en fait, la partie humanoïde de Larda Nova était bloquée au départ. Enfin, genre, c'était pas sur cette map là, hein, c'était sur Aegis. Et en fait, bah, du coup, pendant, je sais pas, peut-être 30-40 secondes, je spammais l'attaque. La forme humanoïde de Larda Nova. Ça, du coup, voilà, ça m'a bien aidé. Comme ça, hein, comme... imaginez ça, mais pendant 40 secondes. C'est beaucoup. Donc autant vous dire que ça allait vite comme ça. Hop. Personne pour me redonner de la... furie. Non. Mais par contre, on va éviter ça. Ouah. C'est vrai que... Non mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en plein combat. Ne faites pas ça. Non mais oh, ça fait des bisous en combat. Alors à quel moment? J'ai envie de dire à quel moment vous faites ça. Tiens, tiens, tiens. Oh oh. Est-ce que ça va être quelque chose, non? Quelque chose de très... C'est très dangereux, mais pas trop. Wow, wow, wow. Tiens, 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 tiens. Oh! Normalement, oh, je pense qu'on a quand même fait pas mal de dégâts d'ores et déjà. Je disais donc, dans le but de farmer des items, j'ai donné les compétences pour que j'obtienne des objets plus rares en assimilation et en fin de game. À Soma et Alyssa. Histoire de... Bon, je suis pas sûr que ça marche beaucoup puisque les Ouroboros, c'est terrible à quel point il y a genre un item à chacun que je n'arrive pas. L'Ouroboros déchu, je n'arrive pas à avoir l'Oculus. L'Oculus de... Comment ça s'appelle? L'Oculus de Lucifer, voilà. Et pour comment ça s'appelle? Le Ouroboros normal, je n'arrive pas à avoir Ah, c'est Cristal Abyssal, voilà, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que, bien sûr, les pourcentages de chances d'obtention de l'item, et chacun, j'ai entre 15 et 20% de chances d'obtenir cet item. Donc, si on en suit ces statistiques, en 5 voire 6 au grand max, missions, oh, pas mal, missions, eh bien, on pourrait les avoir. Mais bon, quand j'ai fait une dizaine de... Quand j'ai fait 10 fois la mission et que j'ai toujours pas le bon item, ça me casse un peu les couilles, clairement. Qui équivaut à peu près une heure, mais bon. Utilisation de compétences de soutien plus 1. Je ne sais pas à quoi ça sert d'augmenter en fait les compétences de soutien. Enfin, utilisation de compétences de soutien. Puisqu'en fait, elle est au niveau 4. Avant, c'était au niveau 2 et 3. Même 1 en fait. On peut. Ça permet toujours d'avoir deux compétences. Ce que je trouve bizarre. Ce serait plus logique que ce soit genre. 3 voire 4. Ou alors c'est le pourcentage de chance que ça apparaisse. Malest, plus une modification plus 1, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Lame d'Hélios, l'auréole. Auréole d'Hélios, c'est bien. Lingot et auréole. Auréole x 4. Donc j'en ai 5. Ok. Très bien, fort bien. Après, je sais pas si ça va m'être utile. Pas de cinématique. Ok, base de données. Message, stratégie anti-nova. Rapport de situation sur la Nova. De dangereux araignées mutants ont fait de nombreuses victimes lors d'une attaque dans les montagnes. Le facteur de polarisation de leur noyau, spécifique à la Nova, suggère qu'il s'agissait d'araignées ayant assimilé des vestiges de cette dernière. Nous prévoyons d'accélérer le rythme des missions d'extermination pour empêcher toute nouvelle attaque de Soma Sneak Soul. Ok. Je veux juste voir en confection améliorée. Ah oui, de toute façon, en fait... c'est la Violenza, je veux savoir, mais en fait j'ai plus besoin de stuff d'Hélios en fait. Pour l'améliorer. Il me faut du stuff Invictus. Invictus.
Mais le stuff Invictus, ça va être avec quoi? Je pensais que les choses se calmeraient avec le retour de Lindo, mais Soma est toujours très pris avec Aegis. Je sais que notre boulot est difficile, mais il est d'autant plus important de se reposer de temps en temps. D'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps de parler avec la sœur d'Eric? Elle avait quelque chose à te demander. Est-ce que je voulais voir... C'est pour le Arda Nova déchu, ça donne quoi comme item? Non, c'est Ying Yang, ok. C'est elle, la fille riche. T'as une minute, j'ai un petit service à te demander. Et du coup, en fait, le ogre masqué, en fait, je pense que c'est Eric. Mais bon. Quel est le problème? J'ai des trucs à faire, me respecte. Je voudrais que tu m'accompagnes au vestige du temple, si ça ne te dérange pas, bien sûr. En fait, je me suis souvenu de quelque chose que m'avait dit Eric. Il m'a dit qu'il allait souvent là-bas et prier afin que les victimes des Aragami trouvent la paix dans l'au-delà. Mais maintenant qu'Eric n'est plus là, je veux aller prier à sa place. Non, ça ne m'intéresse pas. Avec plaisir. C'est vrai, merci. D'ailleurs, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Erina. Erina Ver von Vogelwein. Erina Der Vogelwein. Vogelwein. L'impératrice t'expliquera tous les détails. Alors, merci encore. On va quand même pas combattre. Une mission près des vestiges du temple, attends. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est bien celle-là. Ok, alors, ça va, ça va, ça va. Ours démoniaque, le quadriga, blablabla, effectivement. Bon, on est avec Lindo, toute la team, ok, je suis d'accord, let's go. Bon, pour tout ça, il me faudra, il va me falloir du brasier. Équipement, charger un kit, brasier. Il va falloir que j'améliore un petit peu tout ça, d'ailleurs. Ça, je peux améliorer, d'ailleurs, tiens. Enfin... Non, je peux pas améliorer, mais je pense que je peux presque améliorer. Bouclier. Ah oui, garde sacré serpent, corne fantôme, casque fantôme. Tout ça, je peux avoir. Bon, du coup, j'essaierai d'avoir ça. Histoire de... Ça, je m'améliore toujours pas. C'est un item que j'utilise pas. Inventaire. On va reprendre ça. Et hop. Let's go. Allez, on est chaud. Est-ce qu'on du coup on va avoir une cinématique, ce serait pas mal ça. Confirmation du statut de la zone demandée, mes instruments. Ok, j'ai pas le temps. Tout est prêt, ça m'en a tout l'air. Allez, on va recte du pipo. Le gros il est là. Bon merde, j'ai balancé des balles divines. Hop, on récupère ça. On va prendre la HDH brasier. Oh, oh, oh. Allez, on fait ça, comme ça on récupère un petit peu de PO. J'ai perdu mes... Nos soucis, c'est pas grave. Bon, le quadriga gelé, moi je vais te rect. Voilà, je te l'annonce, moi je suis quelqu'un qui est honnête. Putain, je fais 1300. C'est violent. Os d'Aragami, casque pointu d'ogre. Ouais, vas-y, fais ton truc. Hop. Allez, on récupère ça. On récupère ça. Oh, bonjour toi. Tiens. 1300, 1500. C'est fou, au combat, je fais tellement de dégâts. Voilà. Juste... je voulais préciser. Je recte les gens. Voilà, ogre déchu a été vaincu. On récupère les balles puissantes. On va pouvoir retirer encore une balle. Ouh, là, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Attendez, on peut faire ça. Voilà, peut-être quelques 1400, 1500 même dégâts. On récupère un petit peu de furie. Allez, hop, 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 hop. Wouhou, wouhou. On se casse. Hop, non, non, non. Hop, hop, non, c'est bien ça que je voulais. Voilà. On va se heal un petit peu. Sinon, ça va être terrible. Oui, 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 vas-y. Hop, on récupère notre petite furie. On récupère notre petite balle puissante. On va lui faire pas mal de dégâts sur ça. Bon, oui, voilà. J'allais dire, j'aimerais bien qu'il monte quand même, puisque dans les escaliers, c'est pas simple. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage! T'es pas sur ton territoire. Oh, peut-être que si, hein. Mais bon. Ah, mais il est redescendu.
Zygote déchu. En plus, il m'a mis un poison. Le salopard. Mais Alyssa, pourquoi ne l'as-tu pas suivi? De toute façon, il va s'arrêter là. 2200 points de dégâts. Hop. Ah non, j'ai pas réussi à avoir. Bon, je peux plus m'assurer niveau 3. C'est bien dommage. Allez. Wouhou! Le petit missile qui est passé à côté de ma tête. C'était appréciable. Vite, on fuit. On va lui mettre les petits milliards de points. C'est beaucoup de points quand même. Ça fait quand même beaucoup de points de dégâts qu'on lui a mis sur ça. Allez, 500. On va lui mettre encore. Ah là, c'était pas beaucoup. Là, c'était pas beaucoup. C'était pas ce qui me plaisait. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour faire? Ok. Allez, on fuit, on fuit. Allez, 2800 encore. Je sais pas si c'est 2800 ou si c'est encore deux chiffres qui sont l'un sur l'autre, mais je pense bien que c'est 2800. Puisqu'en fait, je vois d'autres chiffres, enfin, d'autres nombres à deux chiffres. Donc ça me perturbe en fait. Je me dis, bah... Ouais, voilà, 230. Ça se trouve, c'est 230 que je fais depuis le début. Mais... Allez, fais ta petite danse de la neige. Je récupère ça. Je récupère la frappe puissante. Oh, j'aurais pas dû faire avec ça, j'aurais dû faire avec ça. Ah ok, bon, de toute façon, ça a annulé. C'est génial. La frappe puissante. On va lui mettre quelques coups à la tête, comme ça. On va pouvoir briser ces oracles. Wow, 1200, c'est bien. Oh, 200, ouais, 220. Non, 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 non! Reste là! Reste! Oh, salopard. Il y a Lindo qui est un petit peu... Qui a d'ailleurs son arme version Aragami, c'est très bien. Enfin, très bien. Je trouve ça stylé. Ah. Hop. Allez, mon petit gars, c'est la dernière fois que tu fuis comme ça. Hein, puisque là, ça m'a saoulé. Allez, 1000. Tiens. Wow, wow, wow. Personne pour vous soigner. Non, Alyssa, Alyssa, qu'est-ce que t'as fait? Sauvez-moi. Et retour. On va se soigner. Hop, hop, hop. Oh, d'accord. La hitbox, génial, hein. Il m'a foncé dessus, mais ça n'a rien fait. C'est pour ça. Des fois, il y a quand même des fois où je me dis, bah, je me prends des coups venus de l'espace. On récupère ça. Mais des fois, j'arrive à esquiver, mais ça permet de compenser. Hop. Faut vraiment que j'augmente un petit peu la défense de mon bouclier, là. Avec ce bouclier, là, je prends trop de dégâts. Retour. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Oh, il a été vaincu. Hop. On récupère l'armure glace de roi. Armure glace de roi. Armure glace de roi. Ok. Nice. Nice. Alors, utilisation de compétences, soutien plus 1. On va prendre les parties d'armes abandonnées. Et... Ah. Ces touches, les croix directionnelles, elles bug sur ma manette. Tempête naissante, équipe acrobatique et adorée. Ok. Bien ça. Détonateur, on gagne 12 000, c'est bien. Alliage cryogénique, armure d'Arès. Graisse glace de roi, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus rare qu'on a eu. Et pas de cinématique. Ok, donc on l'a bien emmené. Erina est maintenant disponible en tant que membre de secours. Ah, tout ça pour ça. C'est-à-dire en membre de secours. Erina, pour hier, enfin, je voulais te remercier. Je vais m'entraîner dur pour pouvoir aller prier toute seule sans crainte. Oh bah oui. Mais si j'ai besoin d'aide, peut-être te demander encore, pas de problème. Merci pour tout. Si t'as besoin d'aide, je viendrai te voir. Ok. On a des mails. On a des mails. Message. Division R&D. Des vêtements suivants sont désormais disponibles. Le costume animaux est mignon et original. Pour ne porter que la tête, allez dans la section apparence. Ok. Confection. Fabriquer. Tenue haut. Changer. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je...
J'aimerais bien voir la. J'aimerais bien voir la tête en fait. C'est bien beau tout ça. Et c'est quoi? Oh, ça va. Ah, ça coûte 20 000. Ça coûte 20 000. Et en bas? En bas? Ok. Je vais éviter. Quoique. Allez, on va juste en acheter un. On va en acheter un. Genre mignon. Voilà, mignon, oui. On va équiper, on va bien voir. Et ensuite, apparence. Coiffure. Ah, c'est accessoire. Non, coiffure. Kello. Non, c'est pas ça. Non, on remet l'Enka. Voilà. Ah, accessoire supplémentaire, surprise. Non, 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 non. Ah, comment on fait pour mettre le masque? On a des lunettes. Je ne sais pas. Mais du coup, bon, on va rester comme ça. Allez, let's go. Très bien. Il n'y a pas longtemps, Lindo a commandé des rations de bière supplémentaires. Il comptait organiser une grande fête. Et il a peut-être quelque chose à fêter. Apparemment, il a eu une longue discussion avec le docteur Sakaki récemment. Urgence. Les renverser. Et ça, c'est en deux phases. Ça a l'air correct. Mes missions standards. Ah, cœur de fanfaron. Et toi? Je regarde un petit peu ce qu'il donne. L'Oculus de Lucifer, que je n'arrive pas à voir. Ouais. Non, pas Taupinière. Je veux pas aller dans Taupinière. Du coup. Ils veulent quand même pas que je fasse ça. Non? Attendez, Lindo. Je voulais vraiment remercier la fille qui m'a sauvé. Imagine ma surprise quand j'ai su qu'elle était sur la lune. Tant pis, je vais adresser mes remerciements au ciel. D'ailleurs, je connais un endroit d'où on voit bien la lune. Quand j'étais petit, elle me semblait tellement grande. J'avais peur qu'elle tombe et qu'elle nous écrase tous. En fait, le docteur Sakaki veut te voir. Tu devrais y aller. Ah. Allez, laboratoire. Docteur Sakaki! J'ai une belle tenue. Mais de quoi? Et putain, mais il veut me voir, mais... Mais c'est fermé. Peut-être dans la section exécutive. Ah. Ah. Oh bah oui, c'est le patron. Lindo est venu me voir. Il voulait que je lui parle de Shio. Mais... Que je lui explique comment elle l'avait sauvé. Nous avons parlé de la Nova, de la Lune. Je lui ai dit que Soma avait appris à chanter à Shio. Ça l'a fait rire. D'ailleurs, ça me fait penser. Nous avons décidé d'organiser un grand pique-nique nocturne sous la Lune. Un pique-nique? C'est une tradition ici, en Extrême-Orient. Les gens apportaient de la nourriture et des fleurs et remerciaient la lune pour la bonne moisson. Ce n'est pas pour la moisson que nous remercierons la lune, mais notre gratitude sera tout aussi grande. Quand le jour sera défini, je préviendrai tout le monde. D'ici là, commencez à en parler entre vous. Ce sera une nuit mémorable. Est-ce que ce sera une nuit mémorable pour un événement qui se passera là-bas? Ou est-ce que ce sera... Une nuit mémorable puisqu'on fera la fête. Je ne sais pas. Alors. Bon allez, on peut faire cette mission là, on va rect. Il faut du gel. Il faut du gel pour ça. Je crois. Du coup, équipement. On va prendre. Charger un kit. Givre. Ah regardez. 1100. Ah 1100 c'est tout. Ah c'est parce que j'ai pas de bonus défense là-dessus. Faudrait que je rajoute des bonus défense. Faudrait que je revoie un petit peu mes... Tous mes trucs de défense. Enfin, toutes mes compétences sur mes armes. Histoire de bien... De bien refaire tout, en fait. Que tout soit au petit. Aux petits oignons. Même, je dirais. Allez. Voilà. Mais le stuff glace est quand même l'un des meilleurs que j'ai. Hein. Il y a... Je peux... tirer deux fois avec ma truc. Ah, je sens qu'il va y avoir des queues de Vajra en mars. Des queues d'ogre Vajra. Je pense que celle-là, c'est les queues de Vajra magnétique. Continuez comme ça, je sais que vous pouvez gagner. Ah d'accord. J'ai cru que c'était... Continue comme ça. Vous allez gagner. Ben oui, heureusement. Hop. Non, ça ripop pas tout ça. Hop, frappe puissante. Allez,
On lui fait un maximum de dégâts. Oh 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 oh. On va faire gaffe. Hein. Voilà. Allez, hop. Wouhou, j'ai esquivé sa queue. Allez, on inflige un maximum de dégâts à la queue. Hop. Oh. Je fais pas trop confiance à ce truc. Je fais pas du tout confiance. Vas-y. Ah voilà, il est bloqué. Allez, on focus la queue. On focus la queue. Oh, ah, je l'ai. Ah, absorption d'oracle plus, mais bon, ça je l'ai déjà. Hop, on récupère ça. Hop, on esquive, on esquive. Allez. Les balles qui ne partent pas, c'est génial. Enfin, les balles qui ne touchent pas. Mais je crois qu'elle n'est pas partie celle-là. Hop, on repart sur... Voilà, 1200, 1100. C'est bien, ça, ça fait du dégât. Ah non, non, non. Il tente de dégager du combat. Et là, il va rentrer dans ça. Ah. Il est un petit peu chiant. Il est quand même un petit peu chiant, je dirais. Et viens là. Viens là, viens là, viens là. Tu me fais perdre mon temps. Tu me fais perdre mon temps, celui des viewers. On va te mettre une petite balle comme ça. On va récupérer la frappe puissante. On va récupérer l'absorption d'oracle. Oh, j'avais pas vu. Enfin, il vient juste d'avoir les particules d'oracle de la queue qui sont séparées. Oh oh. Et... Non, 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 tu repartiras pas. Je sais pas s'il voulait partir ou si c'était juste pour se balader dans la salle. Mais je l'ai vu se précipiter. J'ai eu peur qu'il veuille se barrer. On ne quitte pas la fête comme ça, monsieur. Monsieur Borkamlan. On est entre gens civilisés. Donc on va vous mettre des milliards de points de dégâts dans la gueule. On récupère la frappe puissante. Et on attaque la queue. Comme ça. Non, 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 non. Eh bien, si. Là, il va ressortir, mais bordel. Il est terrible. Quel gamin. Quel gamin. Ah, mais par contre, s'il vient dans ce sens-là... Ah non, il va juste bouffer ici. Ça me dérange pas. Allez, hop. Bouffe-toi ça. What? Non, ça l'a pas pris. Oh, ça l'a pas pris, encore une fois. Hop. Tes signes vitaux sont dans le rouge. Mais non. Enfin, ma jauge de santé est toujours rouge, tu sais. Oh oh. Tiens, 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 tiens. Vite, je m'éloigne un petit peu, hein, puisque là, faut que je me heal. Hop. Allez, 1100. On va... Ta furie s'achèvera dans quelques secondes. Merci de me prévenir, en tout cas. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est les bons partenaires, ça. Et du coup, j'ai même pas vérifié si... Si l'autre, je peux l'avoir en allié, en fait. Revenir à la base. Irina. C'est Irina ? C'est ça ? Hop, alors, du coup... Récompense lien brisé. Allez, récompense lien brisé. Hibari. Ah, les coqueux attaquent corps à corps au niveau 8, c'est bien. Et après, niveau... Armure embrasée. Ok, ok. Erst, embrasé chevalier. Ok, ça peut être pas mal tout ça. Données sauvegardées. Ah, est-ce que c'est une invitation? Message, Kalan Naiba. Petit remontant, j'ai pas mal de temps libre en ce moment. Tout le monde a eu l'air d'apprécier les gâteaux que j'ai préparés en remerciement de l'élimination de la deuxième Nova. Alors j'en ai fait une deuxième tournée. Il y en a largement assez pour que tous les membres de la première unité puissent en avoir. Oh, nice. Bien joué, Canon. Ah, elle gère. Alors, on va juste regarder quelle est la prochaine mission. Isolation. C'est pas très... Ça a pas l'air... Ouf. Enfin, ça a pas l'air très compliqué, donc ça ira. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer nos petites missions et peut-être découvrir quelle sera la trame de ce troisième arc. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde!